Salut YouTube, on reprend notre aventure dans l'asile d'Arkham, pardon. On avait réussi à trouver la, comment ça s'appelle, la formule secrète Dr. Young qui permet au nain de Bane d'être beaucoup plus puissant. Et le Joker voudrait mettre la main sur sur cette formule. Donc on avait réussi à détruire le parchemin, enfin le parchemin. On avait réussi à détruire les notes du docteur Young. Oh là là, j'aime pas ça. Aïe aïe aïe. Et on va encore rencontrer l'épouvantail. Et mais bon, il a missionné Zaz, psychotique meurtrier. Pour essayer de faire parler le docteur Young, donc ce n'est pas terminé. Aïe aïe. Je n'arrive pas à croire que tu aies encore voulu voir ce film, Bruce. Viens, on va être en retard pour Alfred. Désolé, papa. Ne sois pas trop dur, Tom. Il l'adore. Alfred peut t'attendre. Allez, Bruce. Je peux rien faire d'autre là. Où est-ce que tu nous emmènes? On peut couper par là. Il commence à pleuvoir. Bruce est fatigué. On ne peut pas l'attendre ici? Allez, venez, on y est presque. Il revit son trauma originel. Oh la vache. C'est tellement iconique. Allez, gamin, par là. Assieds-toi dans mon bureau. Il n'a rien. Ça va aller. Un enfant comme ça, avec tout cet argent, il ne pourra qu'aller bien. La ferme maintenant. Il a 8 ans et il est tout seul. L'argent ne réparera pas ça. Dites ce que vous voulez, Gordon. Son majordome est en route. Vous entendez? Il a un majordome. Désolé pour tout ça. Je dois seulement te poser quelques questions. Tu veux quelque chose? Tu vas bien? Je sais que tu n'as pas envie de me répondre, mais c'est le seul moyen d'attraper celui qui a fait ça. Pourquoi l'a-t-il fait, officier? Pourquoi? Je l'ignore. C'est cette ville. Il y a quelque chose qui cloche. Et écoute, fils. Allez. On se retrouve dans une nouvelle phase de gameplay. Avec l'épouvantail. Il ne peut pas nous détecter. Mais non, c'est un pixel là qui m'a boulot, qui m'a. Tu l'as échoué, maintenant souffre.
Hop là. Il y avait un mur invisible là qui m'a bloqué. Se faire voir comme tout à l'heure, voilà. Maintenant, allez. Ok, c'est bon. La phase aussi. Ah mais non, je confonds pas. Vitesse et précipitation. La folie t'emporte à jamais. Mais non. Faire avant toi. Il n'y a aucune issue. Si, il y a toujours une issue. Voilà. Allez. Ah non. Et au bout de la peur. Allez, tac. Efficace. Plus efficace. C'est mieux là maintenant. Allez, voilà. De sauvegarde. Ok.
Ah oui, c'est chiant ce passage. Il faut que j'arrive à me faire voir, sachant qu'il y a cette horloge là qui va nous bloquer. Voilà, easy. Non, trop vite. Trop vite. Alors que si je fais ça. Ouais. Est-ce que c'est pas trop tard? Si, c'est bon. Hop là, nickel. On y est presque, il faut atteindre ce projecteur. Tout ce que tu vois est sous mon contrôle. Ok. On va jouer safe, on va pas y aller trop vite. Allez. Parti. Voilà. Et oh. Voilà, m'a fait peur. Et bim. Quelqu'un a vu son esprit. Allez, quelqu'un vient du voir. Où il est allé? Je sais moi. Même je sais pas comment je suis arrêté ici. Je dois sortir d'ici. Allez, bim. Tout en délicatesse. Voilà. Ok. Il fallait essayer de planer un peu ici parce que il y avait des points. Voilà, des points d'intérêt. Par exemple ça. Ils m'amenèrent l'animal, fier de lui et aboyant comme un chien fou. Je dus supporter ses vantardises. Il prit plaisir à raconter ses méfaits, énumérant ses crimes de dégénéré. Ma vengeance se mua alors en pitié. Je devais venir en aide à ce pauvre chien. Ok. On a fait ça. On a tout cassé. Et on va aller par là du coup. Allez, on continue notre périple. Ça, jouer au chat et à la souris doit être douloureux. Ok. Essaie de passer, Batman, et je te fais griller! Pas très gentil. Ah oui. Pendant que tu batifolais dans l'univers de l'épouvante. C'est une Kyle. Comment tu as appris des choses sur toi? Oh, raconte. Prends un siège. Parle-moi. J'écoute. En fait, ça vient de me revenir. J'avais cru entendre Zaz lui couper les oreilles. Ça en avait tout l'air. Ah 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 ah
Y a rien ici. D'ailleurs, un petit sondage tout seul. Moi, je pense que la meilleure incarnation de Catwoman, c'est Michelle Pfeiffer. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien aux toilettes. Reste où tu es, Batman. Et écoute-moi bien. Ok, le gros taré là. La bouche. Je repeins la pièce en rouge avec son sang. Alors, oh, je vais passer le pour le contourner. Tu entendras bientôt son sang. Ah, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, quoi? Il ne sert plus à rien. Et si je la tue, Batman me tuera. Tu n'as quand même pas peur. Une petite chauve-souris. Recule, Batman. Je blague pas. Oui. J'avance même pas. Batman, tu as assez de sang sur les mains, pas vrai? Je peux voir battre les veines de son cou. Je voulais avancer ici. Je peux sentir la sueur. Tourner par le haut, mais. Les larmes coulées sur sa chair. Voilà, c'est ça. Maintenant, ligue-la. Il faut que je la tue. J'ai trop hâte. Elle n'attend que d'être achevée. Adieu. Ok, c'est juste ça qu'il fallait faire. Ça, c'était inattendu. Qui aurait cru qu'un dangereux meurtrier... Oh, ça va. ...la pauvre doctoresse. Trop fastoche. Je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Bonne... Où tu es, Batman? Écoute-moi bien. Je pensais que c'était plus compliqué ce qu'il fallait faire. Tu approches? Je repeins la pièce en rouge avec son sang. Allez. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt son chant. Alors, comment je vais... Ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, point. Ça, c'était inattendu. Qui aurait cru qu'un dangereux meurtrier tuerait la pauvre doctoresse? Oui, bon, je me suis foiré, mais heureusement qu'on est dans un jeu vidéo. Je t'ai coupé les ailes comme un chien. Puis de recommencer. Tu es Batman. Et... J'arrive, j'arrive. Si tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son Alors. Sang. Mais non! Ça, c'était inattendu! Oui, c'était inattendu, blablabla. Tuerais la pauvre doctoresse! Trop fastoche! Je t'ai coupé les ailes comme un chat! Où tu es, Batman? Écoute-moi bien. Batman! S'il te plaît, fais-moi! Tu approches, je repeins la pièce en rouge avec son sang. Je sais que tu es là. Tu entendras bientôt son chant du cygne. Ça, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu l'as, point. Elle ne sert plus à rien. Voilà. Il n'ira nulle part. Vous pouvez vous arrêter. Pardon. Je suis désolée. J'ai vu Bane. Je sais. Le Joker m'a menacé. J'ai voulu mettre fin à l'expérience. J'ai voulu lui rendre tout son argent. Le Joker ne comprend pas qu'on lui dise non. Il veut une armée. Une force terrible pour annihiler Gotham. Mais c'est impossible sans la formule. Je l'ai caché, mais... Donc maintenant, il a le venin et votre formule. Mon Dieu, il en a des litres et des litres. Il y a un labo caché dans les jardins. C'est fermé à clé, mais les codes de sécurité de toute l'île sont dans le coffre du directeur. Le Joker prévoit autre chose? J'en sais rien du tout. Vous pensez que tout ce qu'il dit a un sens? Moi, je crois plutôt qu'il est fou.
Oh mon dieu! Éloignez-vous! Aïe aïe aïe. Pauvre docteur Young, mais tu sais bien que Monsieur J déteste les balances. Tiens, en parlant de balance. Et ouais, ce vieux taré croit dur comme fer qu'il dirige cet endroit. C'est démentiel. Bon, j'ai plein de choses à faire. Les gars, s'il se relève, assommez-le, mais pas trop fort. Monsieur J a besoin de lui à la soirée. Ok. Frappe-le encore. Ne laisse pas te toucher. Bim. Non mais t'as raison King, c'est un scandale. Oracle, Young a été tué. Vous savez contourner cette porte de sécurité? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wentech résistent au... Puis elle a bien cramé la pauvre, hein, la vache. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Ok, bonne chance. Ok. Alors, tu as abandonné et pris ma carte. Il n'y a pas... Comment appelle-t-on quelqu'un qui n'a pas réussi à résoudre les trois quarts de mes devinettes? Un Batman. Carface. Ok. Ah. Vas-y. Qu'est ce bruit? Ok, amélioration. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Ouais, les combos, on a toujours pas amélioré les combos. Ouais, mais les combos, t'es pas vite, j'en fais jamais. Ok, ça on peut essayer de prendre ça. Ok. Allez, alors. Continuons notre recherche. Ok. Ok. Ah oui, c'est quand je vais avoir le triple grappin. Ici, je vais pouvoir casser ce mur. Calme! Il a bouclé! Allez! Bon, t'as compris? Ouais, ouais.
Ça va me trouver, à plus. Crétin. On va faire. Mais non, mais... J'ai failli tomber comme un couillon. Pas où il est, ouais, bah oui. Putain, quel coup. Qu'est-ce que c'était mal joué. Je vais devoir refaire la salle. Bon allez, on va refaire la salle de toute façon. Je suis en phase 2. Bon. Batman a été occupé. Vous n'avez pas remarqué qu'il manquait quelqu'un. On obéit au Joker. Il est là à tête. Il parle tout seul. Attends, si j'essaye ça. Ça n'a pas marché. C'est pas ce que je voulais faire. Alors. J'arrive. C'est tout là. Y'a pas de méchant. Oula, ça bug. Ok. Dois-je aller? Visiblement, c'est par là. Avec mon peu de vie que j'ai là, c'est un peu. Je peux pas aller là-dessus, ok. Le Joker nous dit de tuer la chauve-souris. Le Joker m'a dit de tuer ma sœur un jour. Tu l'as fait? Pourtant, ouais. Je l'ai jamais aimé de toute façon. T'es vraiment sans cœur. C'est marrant, il m'a dit la même chose. Je lui ai dit que j'avais. Il est là! Non, tu me tireras pas dessus. Maintiens-le au sol et écrase-lui la tronche.
Aïe aïe aïe. Ah merde. Loser, loser, loser. Pas très bienveillant ça. Hop là. Encore le patron en cause? T'as fait que te plaindre depuis qu'on s'est cassé. Ouais, le Joker fait des forces à Titani et nous dit de garder le tunnel, on garde le tunnel. Le Joker nous dit de tuer la chauve-souris, on la tue. Le Joker m'a dit de tuer ma sœur un jour. Tu l'as fait? Pourtant ouais, je l'ai... Cours! Il est là! Ok. Ok, ok, ok. Un autre trophée de le mystère. Un sniper. Tout le monde remarque de charger des armes de protection immédiatement. Je vous recommande de les décharger dans. Je ne peux plus ça. De les décharger en pleine tête. Allez hop. Plus de sniper. La trace, voilà. Par là. Il est cassé là. Ok. Supposez que je le sois, ça fait de la routine. L'île changea peu au fil des années. Sa renommée était salie, mais je jurais d'y remédier. Au fil de sa reconstruction, je vis apparaître l'avenir, un brillant avenir. Et foutre le bordel chez les aides-soignants est plus amusant. Vous entendez ? Ok. Perdez pas que des temps de mort. On fera que vous réveillez. Bon ben, bagarre. Il est là. Ouf. Oh, j'aurais quand même aimé le prendre celui-là. Alors...
on va pas pouvoir passer par là, j'imagine. Trophée. Ah bah non. Ah non, on pouvait passer par là directement. Ok. Évaluation de patient enregistré numéro 1. Nom du patient Victor, Victor Zaz. Diagnostiqué cliniquement fou après le meurtre d'au moins 20 femmes dans la région de Gotham. Alors que bon, la folie n'est pas un diagnostic comme c'est notre première séance, psychologique. Prenons le temps de nous connaître. Je n'ai pas besoin de vous connaître, Miss Cassidy. Tout est sans importance. Ne pensez-vous pas avoir une conception très négative de la vie? Vous avez lu mon dossier, sans aucun doute. Oui, oui, en effet. Il est écrit que vous venez d'une famille riche, que vos parents sont morts, et que vous avez perdu tout votre argent en jouant. Et rien n'a d'importance. Pourquoi dites-vous ça sans arrêt, Victor? Parce que la seule chose qui compte est la cicatrice. La cicatrice. Mais vous êtes fou, monsieur. Bien sûr que je pense à ces cicatrices. Et j'ai une place pour la vôtre. Vous voulez voir où? Maman fada, ce mec. Hop là. Ok. Ça sert à rien d'avoir fait ça. Hein. C'est Batman! Bim. Sale punk. Voilà. Alors, par où on passe? On va passer par là, bien sûr. C'est assez cosy comme douche, hein. Faire le tour au cas où on trouve des choses. On pense par les toilettes des garçons. Ah, hop là, trophée. Pas mal. C'est le miroir là. Ok. On va encore avancer un petit peu, puis après je pense qu'on va stopper. C'est moi, c'est Batman. Ok. Donc l'asile d'Arkham cachait quand même quelque chose de pas très reluisant. Il faudra la tyrolienne ici.
Je ne suis pas vraiment fan. Poison Ivy. Ivy. Elles ont mal. Elles ont mal à l'aise. Ne bouge pas de là. Je n'ai pas besoin que tu t'échappes. Pauvre bébé. Je vous sauverai. Spoiler, on va devoir le... ça va devenir un boss. C'est fou, hein. C'est quand même hyper bien travaillé, hein. Comme le lore et tout ça. Et je me dis que ça va pas être aussi simple. À l'aide! Cash. Vous devez me sortir de cette cellule! Bizarre. C'est moi, Cash! On a besoin de moi! Je peux aider! À l'aide! Bizarre. On l'a laissé au manoir, justement, juste avant. Il a pu se faire choper. Ivy, waouh, t'as une de ces tronches. Si tu veux, je te passerai un peu de shampoing. Les plantes, tu ne les entends pas. Je les entends hurler de douleur. Ah ouais, j'ai pas vraiment le temps là. S'il te plaît, laisse-moi sortir, elles vont mourir sans moi. Je sais pas, Ivy. Tu n'es pas sur la liste des invités, tu sais. Alors? Oh, pitié. Oh, et puis tant pis, je te fais une place. Oh. Là, ça va beaucoup mieux. Oh, c'est une brave gamine. Je pourrais regarder ces filles pendant des heures. Quelle folie, non? En parlant de folie, voici un peu d'agitation que j'ai mis jeter rien que pour toi. Aïe, aïe, aïe. Libérez-moi. Ok, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a plutôt bien avancé, hein. Qu'est-ce que vous attendez? Libérez-moi! Eh ben, t'attendras le prochain épisode, hein. On va dire au revoir à YouTube. Et puis, on se retrouvera pour un autre épisode dans pas longtemps. Salut YouTube!